Non. Non. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Je l'avais même pas vu. Oh putain. Putain. Faut que je reprenne mon câble. Putain. Faut que je fasse une intro et tout. Putain. Alors bonjour à tous, c'est Coupable SH. Aujourd'hui je viens de trouver un magnifique Manafi. Le nombre là, faut que je vérifie sur mon téléphone, mais j'en suis aux alentours de 1100.
Enfin, 10 100, pardon, 10 100. Ça fait plus de 1 an et demi que je chasse cette chose-là. Putain, c'est difficile à... C'est difficile de dire qu'il est enfin là, quoi, c'est... J'étais en train de regarder Cauchemar en cuisine avec Gordon Ramsay. Et là, il y a ma déesse pour faire les échanges de Manafi avec l'écran dégueulasse. Et la déesse sur laquelle je les étais. Truc là. Cresselia. Bon, bref, revenons-en au loup. Ce magnifique Manafi. J'ai dépassé les 10 000 il y a quelques jours. Et sur le topic. Oh. Ah, j'en perds mes mots. J'en peux plus là. Vas-y, je vais fermer ma gueule et je vais juste faire péter les étoiles. Et je vais reprendre la vidéo après. Oh là là, c'est... Putain. Enfin, quoi, enfin. Après 1 an et demi, plus d'un an et demi même, d'avoir recommencé ma partie des centaines et des centaines de fois. Putain. Bon, alors, comme c'est un œuf, je peux éteindre ma console calmement. Je vais montrer la cartouche. Putain, mais on voit rien du tout. Je vais allumer la lumière. Toujours pas, toujours pas, toujours pas. C'est une vraie cartouche Pokémon Diamant. Il me reste qu'une barre de batterie, alors je vais faire les remerciements. Bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième partie pour la vidéo de la capture de ce Manaphy Shiny. Alors, pour commencer, je tiens à vous montrer ceci. On voit bien pendant la vidéo de l'éclosion qu'il n'est pas Shiny. C'est assez étonnant, moi-même en ayant re-regardé la vidéo
du live que j'ai tourné hier, je me suis rendu compte que il n'était pas shiny pendant l'éclosion et j'ai retesté plusieurs fois. Il n'est vraiment pas shiny là. Donc, ouais, faut faire attention quoi. Et c'est bien le Manafi shiny. Alors, des détails concernant cette chasse. Alors déjà, il est lâche. Échange Link, 11 janvier 2015. Œuf obtenu. Ouais, 12 janvier 2015, ouais. Œuf éclos, rencontré par hasard, MCDMV, route 1. Bref, le plus important là, c'est échange Link. Puisque le Manafi ne peut pas être shiny sur la cartouche où vous l'avez reçu via le jeu Pokémon Ranger. Du coup, il faut faire des échanges et je vais vous montrer que il n'est pas shiny quand il retourne sur sa cartouche. Alors là, je reset. Le caractère shiny dépend de deux choses, le PID du Pokémon et l'idée secrète du dresseur. Là, vous pouvez voir que j'ai l'œuf, toujours le même, celui qui contient un Manaphy shiny avec cette idée. Et je vais faire un échange. Sur le côté, j'ai une autre DS pour faire cet échange-là. Du coup, ouais. On va rentrer dans la salle. Putain, ça va être compliqué là. Suis déjà moins stressé qu'hier, ça va. Vu que hier, c'était impossible, quoi. Je pouvais pas parler 2 secondes sans bégayer. Même là, je continue encore à bégayer un petit peu, mais ça va mieux depuis hier. Alors, je vais baisser un petit peu le son. Alors, tout le principe de cette chasse se base sur les échanges. C'est la plus grosse partie du truc. Et c'est vraiment ça qui va faire que le Manaphy sera shiny ou non. Étant donné que un œuf a le PID du Pokémon déjà préconçu. Et du coup, ouais. Faut vraiment changer son idée pour qu'il puisse devenir shiny ou non. Alors, là on va passer sur l'autre console, vu qu'il est ici. Je dois le tenir avec ma main vu que l'écran est pété, ça m'énerve. Alors, j'ai bien l'œuf de Manafi qui était shiny sur l'autre console. Et on peut voir marqué là un œuf de Pokémon très mystérieux provenant de Pokémon Ranger. Qui prouve bien que c'est sur cette cartouche-là que j'ai reçu, ouais, cet œuf via Pokémon Ranger.
Là, j'ai le vélo, donc ça ira beaucoup plus vite. Je fais du putain. Et on prend du temps quand même. Alors, et voilà, le même Manafi qui a changé d'idée et qui n'est plus shiny. Toujours lâche, toujours arrivé de Pokémon Ranger, enfin. Bref, ce qui prouve bien que l'idée participe aussi au caractère shiny d'un Pokémon. Et que du coup, ouais, la méthode des échanges d'œufs fonctionne bien pour trouver un Manaphy shiny. D'ailleurs, je tiens à remercier Maître Armand qui a posté un bon guide sur le site Shiny Hunter. Et qui explique en détail mieux que moi toutes les étapes nécessaires, en tout cas à l'obtention d'un Manaphy chromatique ou non chromatique. Bon, je vais reset. Enfin, reset. J'éteins, je rallume. Et je vais refaire l'échange de ce même œuf et le remettre sur ma partie. Et en gros, pour ceux qui voudraient se lancer dans cette chasse-là, le temps d'un reset de partie, enfin le temps nécessaire pour recommencer une partie sans les échanges est aux alentours de 15 minutes. La partie d'éclosion plus échange, quant à elle, dure entre 6 et 6 6-10 minutes. Ça dépend vraiment de si vous êtes lent ou pas. Et donc, ouais, cette chasse, je l'ai commencée il y a plus d'un an et demi. À l'époque, je devais partir en Guadeloupe et je me suis dit, ouais, pourquoi pas Manaphy Shiny, le prince des mers, Guadeloupe. Tout coïncide et tout. En plus, chasser Manaphy, ça fait beau gosse. Et personne ne le fait, donc bon.
Et ouais, au final, ça m'a pris plus de 10 000 vues, vu qu'à l'époque où je l'ai commencé, j'avais pas beaucoup de Shiny, je devais en avoir aux alentours d'une vingtaine. Et à mes débuts, j'avais plutôt beaucoup de chance. Je me disais que ouais, il allait sûrement tomber assez vite et j'aurais pas beaucoup à faire. Et finalement, ça a duré 1 an et demi. Avec des pauses, certes, des grosses pauses même, je dirais. C'est sur les quelques derniers mois là que j'ai vraiment accéléré, mais sinon. Bon, c'est toujours le même œuf encore, rien n'a changé. Je vais remettre le son ici. Vous voyez que j'ai un Volcaropod. De toute façon, j'expliquerai ça dans la troisième partie de la vidéo qui consistera à vous expliquer le moyen le plus rapide de recommencer une partie et pourquoi je n'échange que 4 œufs. D'ailleurs, je pense que je peux l'expliquer tout de suite. Ouais, j'échange que 4 œufs parce que tout simplement, on peut pas en échanger plus. Ils nous disent d'avoir minimum 2 Pokémon dans notre team, donc 2 Pokémon vivants. Et quand ils sont dans les œufs, ils sont morts. Et du coup. Un des deux Pokémon, c'est un Volcaropode pour augmenter la vitesse d'éclosion, vu que quand vous recommencez votre partie, forcément vous n'avez plus de bicyclette et vous devez vous taper des allers-retours à la con comme ça pendant 5-6 minutes. Donc forcément, l'échange du Volcaropode vaut le coup, je vous assure. Par contre, je vais. En tout cas, je suis bien content que cette chasse soit finie, enfin, et pouvoir passer à autre chose. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais ce Manaphy est mon 100e Shiny. J'avais prévu une sorte d'ordre pour mes Shiny de 96 au 100, à 100. Et finalement, tout s'est déroulé comme je le souhaitais, donc je suis bien content. Bon, l'éclosion, vous avez déjà vu. Avec le Manaphy qui n'est pas shiny. Merde, putain, j'ai encore oublié de mettre un surnom cette fois, vu que je voulais sauvegarder pendant la vidéo, donc mettre un surnom et clore définitivement cette chasse. Le Manaphy chromatique. Lâche, obtenu échange Link. D'ailleurs. J'ai pas expliqué le marquage qui est là. Il me sert parce que j'ai cloné les œufs. En effet, je vais vous montrer dans la salle de l'échange là, enfin dans la salle, dans le centre hockey quoi. Lorsque vous sortez de la salle, vous atterrissez ici. Et entre ici et là, il y a un pas. Ça peut paraître anodin, mais quand vous voyez le Pokémon 10 000, 20 000 fois comme des chasses normales, un pas fois 10 000, 20 000, ça sert largement à faire éclore des œufs. Du coup, j'ai cloné mes œufs et je leur ai donné un marquage différent pour pouvoir les reconnaître. Et c'est un conseil que je vous donne aussi de cloner vos œufs parce que ouais, vous pouvez vous faire
couiller vos œufs comme ça bêtement. Alors on va ressortir. On va refaire péter les étoiles encore. Je suis trop con. N'importe quoi. Voilà. Et tourne normal. Manafi chromatique. Du coup, j'ai pas réussi à fuir. Je vais mettre le tipi. Et on va passer à la troisième partie de la vidéo. Alors, reset. Dans cette partie, je vais vous expliquer comment recommencer votre partie le plus rapidement possible. Alors déjà, faut bien rester appuyé pendant le dialogue pour faire passer les lignes plus rapidement. Parle-moi un peu de toi, garçon ou fille. Fille, parce que alors, à ma voix, vous entendez bien que je suis une fille. Alors, Alison, mon pseudo de chasse original, on s'en fout un petit peu, mais bon. J'ai marqué en majuscule en plus. Voilà, vous choisissez un des pseudos de la liste. Moi, le premier c'est Enzo, mais je préfère choisir Yann à chaque fois vu que ça prend pas 20 ans et je préfère Yann, quoi. Là, petit spam de A, si vous spammez B, l'écran là ne partira jamais vu qu'il ne part que quand vous appuyez sur A. Et là, cette ligne de texte-là, vous devez appuyer deux fois sur A pour la faire passer plus vite. C'est un petit détail, pas la con. Donc là, vous changez direct la vitesse du texte en 3 et les animations en oui, en non, justement. Comme ça, ouais, les persos. Le blabla, vous pouvez le spammer en appuyant juste sur A. Ah, cette intro, je l'ai vue tellement de fois. Dire que je la verrai plus jamais. Et je compte chasser les starters 4G, mais sur platine.
Je m'étais dit que j'allais passer, enfin, faire cette partie-là sans parler et mettre une musique en fond. Mais comme je suis pas sûr de ma maîtrise de mon logiciel de montage vidéo, on sait jamais ce qui peut arriver, donc je parle un petit peu pour le... pour que ça passe. Là, vous spammez A ou B, comme vous voulez. Alors le starter. Je pense pas qu'il y ait vraiment de starter optimal pour ça, mais moi je choisissais tout le temps le type loof parce que j'ai l'intention de le chasser en premier quand je chasserai les starters. Et du coup, s'il pouvait tomber shiny par hasard, ça m'aurait pas déplu. D'ailleurs, je viens d'y penser, mais j'ai recommencé la partie là, mais le temps d'effacement d'une partie, c'est à peu près 2 à 3 minutes en fonction de votre cartouche. Et si vous jouez, enfin si vous recommencez une partie sur un linker, ça ira beaucoup plus vite vu que comme les sauvegardes, l'effacement de partie s'effectue beaucoup plus rapidement sur Linker. J'avais essayé de... Enfin, j'avais commencé cette chasse sur Linker, mais je me suis dit que... Ouais, autant faire ça jusqu'au bout et aller sur la vraie cartouche. Vu que ça change pas trop de toute façon, c'est juste pour avoir des idées différentes, quoi. Est-ce que j'aurai une bonne RNG, ne pas tomber sur... Eh ben si, je suis tombé. Bon, c'est que quelques minutes, mais enfin quelques secondes, mais c'est quelques secondes en trop. Je vous conseille de ne pas les tuer, faut pas que votre type loof monte de niveau. Enfin, votre type loof, votre starter, quoi. Mais sinon, il risque de taper trop fort. Enfin, c'est pas grave s'il monte de niveau, mais ça fait gagner du temps de fuir, quoi. Et que ça sert à rien qu'il soit trop au niveau pour ce qu'on va faire. Alors là, je spam B. Et dès que j'ai répondu à la question, je commence à spammer A. Puisque la question du Pokédex, on est obligé de répondre oui. Sinon, on rentre dans une boucle infinie où il va te dire ouais.
Est-ce que t'as bien entendu ce que je t'ai dit? Alors là, c'est la partie la plus, enfin, entre guillemets, importante. C'est celle du skip de... Je vais t'apprendre à capturer des Pokémon. Vous pouvez skipper ce passage-là et aller directement acheter des balls. Vous descendez pour prendre le maximum de balls directement. Ça vous fait 15 Pokéballs plus une Honor. Ce qui est suffisant, je pense. Ouais, c'est suffisant. Et là, vous allez directement capturer 5 Pokés. Je les attaque toujours au moins une fois avant de lancer une balle pour augmenter le taux, vu que sinon. Mine de rien, ils sont vraiment très chiants. Et c'est vraiment le passage où on peut perdre le plus de temps. Et il y a vraiment moyen de tomber sur un shiny indésirable ici. Heureusement que ça ne m'est pas arrivé. Étant donné que je voulais Manaphy en centième poké, je dis honnêtement que si j'étais tombé sur un Connotaur shiny, je l'aurais tué. Putain, je vois que ma vidéo fait 30 minutes là, plus les 20 minutes à peu près du live. Plus les autres morceaux de live où je trouve pas de shiny. Il va falloir vraiment que j'accélère cette vidéo. Il y aura de l'accélération à tout va. Ou peut-être que je laisserai comme ça, je sais pas. Vous voyez que même avec un coup critique, je ne tue pas le Kenotor, et ça c'est appréciable. Et je pense qu'avec rien qu'un niveau de plus, le coup critique tue les Pokémon de niveau 2. On reste sur le bord parce que c'est le dernier. Et du coup, ce serait con de faire une autre rencontre inutile.
Mais sur cette session, ça va, ils sont pas coriaces du tout, les Kenotaur et Tourmi, vu que parfois ils refusent vraiment de se faire capturer. Là, j'ai parlé trop vite. Ils refusent vraiment de se faire capturer et j'arrive à tomber vers les 3-4 Pokéballs. Quand vous tombez vers un seuil de Pokéball vraiment bas, je vous conseille de sauvegarder et de reset à chaque fois que vous ne capturez pas le Poké. Parce que si vous n'avez pas assez de Pokémon, c'est foutu quoi, vous avez juste à recommencer votre partie. Par exemple, celui-là, c'est un fils de pute. Il ne veut pas. Il rentre enculé. Voilà. Et là, vous vous dépêchez d'aller dans le centre Poké. Deuxième étage. Bienvenue à la salle Union. Et voilà. Donc, je sais pas s'il y a moyen de voir le time. Mais bon, comme j'ai dit, c'est aux alentours de 15 minutes. D'ailleurs, si j'accélère pas la vidéo, vous le voyez très bien sur le compteur en bas. Et vous devez avoir sur une autre console une partie pour échanger, quoi. Et avec les deux consoles, vous faites les échanges. Et vous arrivez dans la salle Union du reset, vu que. Je ne peux plus rien faire. Vous allez ressortir comme ça. Avec le volcan, enfin le truc pour faire éclore les œufs plus vite là. Et vos 4 œufs. Là, je vais retirer les 4 œufs vu que ils sont importants. On va faire style jusqu'au bout, hein. Putain, y a un petit retard sur la vidéo quand je regarde dessus. Et du coup, ouais, j'en parlais hier sur le forum, enfin sur le topic du sanctuaire des Shiny, et Noopy disait que il voulait essayer avec son linker cette chasse-là. Et je l'encourage vraiment à essayer vu que c'est une chasse très enrichissante. Et ouais, avec un linker, il y a moyen d'obtenir un nombre considérable d'œufs et du coup de pouvoir skipper toute la partie, recommencer la partie et tout. Il y a moyen de négliger le temps d'un reset de partie et ce qui peut être vraiment appréciable. Putain, je suis déjà 36 minutes.
En faisant le montage de toutes les vidéos, je pense que même en accélérant, la vidéo fera pas moins d'1 heure, ça va m'énerver, ça. Bizarrement, niveau mémoire, je m'inquiète plus pour mon ordinateur que pour mon téléphone, vu que j'ai une carte mémoire 16 Go. Pas vraiment de problème, mais pour mon ordi, la dernière fois que j'ai voulu mettre plusieurs vidéos d'1 heure dessus, il me disait qu'il manquait de mémoire. Cet enculé. Et ouais, du coup, j'ai découvert que le Manafi n'était pas shiny à l'écran d'éclosion. Et je me suis fait enculer quelques fois, du coup, vu que parfois j'avais la flemme de regarder leur résumé, je resetais directement. Et j'ai dû le faire une dizaine de fois, donc c'est pas super grave, mais ça tue quand même le truc, quoi. Et pour rebondir sur ça, les seules vidéos que j'ai trouvées sur YouTube qui parlaient, enfin, qui montraient l'éclosion d'un Manafi shiny, bah, il était shiny pendant l'éclosion, du coup, c'est des gros fakes, quoi. Je suis à combien là? 3. D'où l'importance de faire l'échange Army Magma aussi, vu que vous voyez que même avec lui ça prend du temps, et sans bicyclette c'est vraiment la mort, quoi. Et là je le fais avec deux mains, vu que je veux que vous puissiez voir, mais pendant mes lives. Quand je live cette chasse-là, vous voyez bien qu'il y a une grosse main devant la caméra. Je suis désolé, mais je peux pas faire autrement si j'ai envie de chasser autre chose en même temps. Mais c'est strictement impossible de faire cette chasse-là en solo. Et c'est vraiment très chiant. En plus de prendre 2 DS, elle prend les deux mains. Et ça le fait pas, quoi. Alors, vous en êtes à là? Vous vérifiez vos 4 Manafis. S'il n'y a pas de shiny, vous resetez. Et vous apparaissez là. Et vous avez juste à reparler à la dame pour re-rentrer. Alors moi je vais pas rentrer, mais j'espère que vous avez remarqué ce petit pas là. C'est un pas totalement gratuit qui peut vous niquer vos œufs, donc c'est vraiment important de faire des clones. Je tiens aussi à préciser que dans la salle Union, les pas ne comptent pas. Et vous pouvez faire autant de pas que vous voulez, ça ne comptera pas ils ne peuvent pas éclore dedans non plus. Donc là, je vais faire l'éclosion définitive de l'œuf de Manafi Shiny. Il est là encore. Et je vais lui donner un surnom. D'ailleurs, je vais pas le faire éclore ici, je vais le faire éclore à bon augure. Oui, c'est un petit trip que j'avais. Je m'étais dit, ouais, autant le faire éclore à un endroit pas dégueulasse. C'est mieux que éclore à route 201 Nawak.
18 ans. La dernière éclosion de Manachi que je fais. Avec ce Manachi qui n'est toujours pas shiny. À l'écran d'éclosion. Oui, je vais lui donner un surnom. Alors, le surnom auquel j'avais pensé, c'était The Uncola. Mais je crois que je vais mettre juste Uncola vu que. Je regarde comment ça fait avec The Uncola. Ouais, les zones quoi là. De toute façon, je pourrais changer après. Voilà le Manafi chromatique. Zone cola obtenu. Ouais, du coup, ça a changé la date, mais on s'en bat les couilles. Lâche de nature, je ne sais pas ce que ça fait. Et je m'en fous. janvier 2015, échange link. Œuf obtenu. Bon augure, fait clore, rencontré par hasard, M. se démener. Ouais. C'est une page de ma vie de chasseur qui se tourne. Et c'est une autre qui s'ouvre. Je sais plus si c'est ça l'expression, mais. C'est pas grave. Et je vais faire péter les étoiles une dernière fois en faisant les dédicaces, les vraies. Putain, 45 minutes déjà, c'est. On voit pas le temps passer. D'ailleurs, j'ai pas expliqué la référence, mais The Uncola, c'est. Alors, The Uncola, c'est une référence. À une pub de 7 Up qui remonte d'il y a très très longtemps. Et ils appelaient le 7 Up à l'époque le Uncola. Et du coup le petit teint bleu vert, il me faisait penser au 7 Up et je l'appelais comme ça. Et on remarque que sur son sprite, il a ses yeux jaunes encore. C'est vraiment un Pokémon buggé au max. Ils ont vraiment négligé ce Pokémon-là, c'est fou. Vu de derrière, il a les yeux jaunes. Mais sur son sprite, vu de face, il a les yeux verts. C'est vraiment n'importe quoi. Alors les dédicaces, je les avais déjà faites sur la première, enfin sur la vidéo du live, mais je m'étais foiré complètement, j'étais en stress et tout, j'ai oublié la moitié des personnes au moins. Alors de tête, dédicace à tout le sanctuaire des Shiny sur jeuxvideo.com. Nosfera Petit Shiny, Évangile de Vénus. Alcino, que j'avais oublié la première fois. J'aimerais bien roter pour lui, mais je n'ai pas de ro en préparation là. Uta, Abel, Yombi, qui d'autre, qui d'autre? Back to Allo. Et je crois que j'oublie. Personne, j'espère, hein, vu que franchement, ça me ferait du mal d'oublier quelqu'un sur cette vidéo-là, quoi. Une grosse dédicace aussi à comment il s'appelle, Maître Armand, pour son guide, vu que c'est grâce à ce guide-là que je me suis lancé et il m'a permis de tenir, je le redis encore une fois.
Et je vais le faire péter une dernière fois. Et merci d'avoir regardé la vidéo. Bonne continuation dans vos chasses et que les étoiles soient avec vous.